Coucou à tous, alors on se retrouve pour une vidéo tuto de cartes. En fait ce matin je me suis levée, déjà j'avais envie de scraper. J'ai pas pu trop scraper de bonheur, mais bon voilà, là je me suis mis au bureau et du coup j'étais en train de faire mes cartes et je me suis dit que j'allais les faire avec vous. Donc je suis en train de préparer tout un tas de cartes, vous savez qu'il les distribue aux personnages de notre village, donc voilà. En fait j'ai simplement pris une feuille de ce bloc, des gros blocs là qu'on a. Je l'ai plié en deux et ensuite je vais venir couper à 10,5. Alors après je vais vous donner les mesures exactes de la carte, ce que ça va donner une fois qu'on a coupé. Pourquoi 10,5? Parce que ça fait 21, donc ça fait la moitié. Donc là j'ai une carte qui fait du coup 10,5 par 15, voilà. Donc, je vais avoir des cartes qui vont faire 10,5 par 15. Donc on recommence à 10,5. J'ai choisi de toutes les faire de la même taille. Après, soit on aura des modèles qui s'ouvriront vers le haut, soit vers le côté. Voilà, je verrai. Pour l'instant, voilà. Du coup, là, je vais en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, j'en ai une vingtaine. Donc, il me restait une dizaine de pages de papier craft assez épais pour faire les bases de cartes, on va dire. Voilà. Parce que vous savez que bon ben les matériaux ça commence à être un peu compliqué. Donc ensuite pour cette carte, alors je voulais y mettre des rosaces que j'avais fait comme ça. Donc là je vais vous faire le tuto de la petite des petites rosaces comme ça. Alors moi je prends ma perforatrice qui fait 2,5 je crois. Je crois que c'est une 2,5. Et en fait, il faut couper des ronds. Je crois que c'est... alors, attendez que je me souvienne. 14 ou 18 ronds. Donc, voilà. Je vais couper les ronds dans du papier. Et je vous reprends après. Je vous dis combien est-ce qu'il faut en faire. Je vous reprends. En fait, j'ai pris ce vieux livre qui a des images. Donc, je fais gaffe de ne pas prendre les images. Parce que sinon, ça va me faire des ronds noirs. Et moi, je voulais vraiment avec l'écriture. Et donc, en fait, là, il faut que je fasse 24 petits cercles comme ça dans les écritures. Donc moi je prends 3-4 pages à la fois, hein, comme c'est du papier très fin, le papier de livre, la perforatrice n'a aucun mal à perforer du papier fin. Quoi. Enfin plusieurs papiers fins. Et en fait il faut 24 ronds. J'ai recompté sur celui que j'ai fait parce que je ne me souvenais plus. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il vous en faut un dans du papier plus épais. Alors moi, pas compliqué, le papier épais, je vais prendre un morceau de la couverture du livre. Bon alors, si vous voulez juste le mettre comme ça pour offrir en embellissement, vous mettez un papier blanc à l'arrière. Enfin, vous prenez quelque chose qui n'a pas d'écriture, moi je m'en fiche. Donc je vais prendre la couverture du livre comme base, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus épais. Ensuite, vous pliez tous vos ronds en deux, donc comme ceci. Et quand vous avez tout plié en deux, et ben on va se retrouver pour coller. Pendant ce temps, je ne vais pas faire chauffer le pistolet à colle, là je vais coller à la colle, parce qu'en fait, ça nous permet de positionner les ronds correctement. Donc je vous conseille de ne pas le faire au pistolet à colle. Franchement, j'ai essayé des deux façons, soit à la colle, soit au pistolet à colle, mais franchement, à la colle normale, ça va mieux. Donc voilà. Je vais vous montrer, j'en ai fait plusieurs en fait. Alors après j'y ajoute un petit strass ou quoi. Que là on peut coller au pistolet à colle ou pas. Ça c'est du papier fin des blocs de... Comment ça s'appelle, des blocs d'action là avec les papiers fins. Ça c'était des papiers fins qui me restaient. Et ça c'est carrément les couvertures du bloc que j'ai perforé. Alors là j'ai mon strass qui s'est sauvé, je vais le recoller. J'ai carrément les cartons épais, là, c'est épais, en fait. Donc, on peut faire aussi avec du épais. Ça donnera plus de relief qu'avec du papier fin. Voilà, ça dépend le rendu que vous voulez aussi. Ça peut être sympa de faire l'un ou l'autre. Et donc, bah là, j'ai fait donc du papier livre pour essayer. Et j'aimais bien le papier livre. Donc, voilà. J'ai fait un confine d'Eli. Donc, là, je l'ai collé comme ceci avec un peu de toile de jute. Enfin, dans du fil de jute et tout. Voilà, en décoration. Et je trouvais que pour faire des cartes, ça pourrait être sympa. Bon allez, je plie tout ça et on se retrouve, enfin je plie tous sauf celui qui est en carton épais qui va nous servir de base. Je plie mes 24 ronds et on se retrouve dans 2 minutes. A tout de suite. Donc voilà, j'ai collé mes 24 petits bouts de papier. Là, je vais mettre un peu de colle au centre de mon rond dans le papier un peu plus épais. Voilà.
Donc là, je vais venir mettre un peu de colle, je l'étale. Et en fait, je vais venir placer tout simplement mes... Alors, je vais essayer de le faire comme ça pour vous, que vous voyez mieux. Donc en fait, on va juste placer les petits ronds qu'on a pliés en deux, comme ça, les uns dans les autres. Alors, il faut tenir comme ça. Et en fait, il faut les placer les uns dans les autres et les espacer un tout petit peu. Ça vous donner quelque chose comme ça. Voilà. On les place bien à l'intérieur l'un de l'autre. Et au besoin, ben, on rajoute un petit peu de colle ou quoi. On essaye que, voilà, il tourne, ça tourne naturellement, quoi, après, on va dire. Donc là, je viens tenir juste le bord là pour pouvoir remettre les uns dans les autres. Après, on peut faire plus ou moins espacé. Là, je crois pas que je vais mettre les 24 puisque je suis parti sur un espacement plus grand. Et en fait, voilà, le cercle, c'est pour nous servir à avoir la base bien ronde au départ, quoi. Donc voilà, là j'ai un peu moins de colle, je vais revenir rajouter un tout petit peu de colle. Alors voilà, hop, ça coule un peu. J'espère que vous allez voir ce que je fais quand même. C'est pas évident à filmer ce genre de choses, quoi. Hop, j'appuie un peu, j'attends 2 minutes et je recommence. Voilà, jusqu'à temps que j'obtienne un cercle. Alors après, des fois, il y en a qui ont des côtés blancs et d'autres écrits. Donc bah là, moi, je mets plutôt les côtés blancs du côté qu'on ne verra pas, quoi. Ça fait plus joli. Donc voilà, là, c'est pour repositionner. En fait, c'est le fait d'avoir mis de la colle. Ça sèche moins vite. Et en fait, pour positionner nos éléments, ce sera plus pratique. Voilà, celui-là, par exemple, il y a du blanc. Et ben le blanc, je vais le mettre plutôt vers le bas parce que c'est la partie qui se verra le moins. Après, c'est pas gênant, quoi. Donc voilà, on va faire ça jusqu'à temps qu'on arrive, hop, à mettre, enfin, à voir faire former notre cercle. Hein. C'est pas bien compliqué. Ça prend un petit peu de temps, c'est un petit peu minutieux, mais bon. Enfin, moi j'aime bien, je trouve ça joli. Après, on peut s'aider, voilà, moi je m'aide aussi avec des objets pour bien essayer d'avoir les mêmes espacements en fait entre chaque petit demi-cercle là. Je trouve que ça fait plus joli après, voilà. Hein. C'est un avis personnel, on va dire. Puis après, je vous invite à faire ça avec, ben, enfin, faire comme moi, quoi. Essayez, hein, si vous avez du papier plus épais, moins épais, si vous avez des livres avec des écritures, peut-être du papier journal, ça pourrait faire joli aussi, je me disais. Bon, j'ai pas de journaux, là. Enfin, je crois pas que j'en ai. J'ai pas cherché, à vrai dire. Mais voilà, les journaux aussi, ça pourrait être sympa, voilà, et ainsi de suite, quoi. Alors voilà, celui-là, c'est le plus délicat à replacer, c'est le dernier. Donc bah voilà, là j'en ai 23, j'en ai même pas 24. Du coup, je vais essayer de mettre mon 24e ici. Je vais lui mettre un tout petit peu de colle, une goutte de colle à l'intérieur, voilà, et à l'extérieur sur le coin, quoi. Vraiment, par contre, faut pas mettre beaucoup de colle avec ce genre de papier, puisque sinon, ça va très vite gondoler, hein, vu que c'est du papier très fin. Bon, voilà. C'est ce qui sera un petit peu... Enfin, faut faire un petit peu attention à ça, voilà. Donc voilà, ça nous donne la petite rosace comme ceci. Et après, ben, il suffit d'y mettre un strass, un petit diamant, une demi-perle, enfin ce que vous avez, pour même une perle, hein, tout simplement, pour faire la déco du milieu, on va dire. Moi, je vais y mettre un petit strass ou quelque chose comme ça. J'ai plein de strass, en plus, ça va me permettre de les utiliser. On pourrait aussi y mettre un bouton, enfin voilà, on peut y mettre vraiment plein de choses. Ben là, je vais peut-être même mettre voilà un petit strass blanc. Bon, alors là, je vais le coller avec la colle, ma colle, qui est un tout petit peu plus forte, mais qui déteint le papier et tout. Alors voilà, je vais l'utiliser parce que juste là, c'est au centre, mais je crois pas... Enfin, elle a tendance à déteindre les encres, et du coup, c'est pour ça que j'utilise vraiment celle-ci pour faire avec le papier de livre, on va dire. Donc voilà. Donc voilà, après on va laisser sécher juste 5 petites minutes, là, pour que ça tienne bien. Si on a besoin de replacer, ben voilà, on peut replacer toutes les petites... zélette de notre rond, quoi. Donc voilà, hop. Donc là, je vais prendre ma base de cartes qui fait 15 par 10,5, comme on a dit. Je vais la prendre plutôt dans ce sens. Je vais y mettre un papier décor dessus. Donc là, j'avais eu ce bloc-là à Noël que j'aime beaucoup. Franchement, il est très joli. Il est vintage, mais dans des couleurs un peu jaunes. Enfin, voilà, pas forcément les couleurs dans lesquelles on a l'habitude de travailler. Franchement, je le trouve super chouette. J'ai déjà utilisé quelques pages, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va mettre? J'aime bien ces fleurs un peu jaunes, mais pas trop foncées. Donc on va mettre ça. Donc bah là, je vais recouper
Alors, c'est pas compliqué, vu que ça fait 10,5 par 15, je vais couper un morceau. Alors, par contre, il va juste falloir que je fasse attention au sens. Un morceau de 10. Hop. Par 14,5. Tout simplement. Hop là, ma lame s'est sauvée. Voilà, la petite chute, on va la mettre de côté avec ça. On pourra toujours faire une autre carte. Vous savez, je vais faire une partie des cartes et après, enfin, je vais en faire la moitié, on va dire, par exemple, et après l'autre moitié, je vais essayer d'utiliser mes chutes au maximum. Donc voilà, là, on va venir placer notre papier décor. Pareil, je vais prendre cette colle. Là, c'est pareil, il faut bien étaler la colle, il ne faut pas faire de gros pâtés, parce que sinon, après, ça va gondoler. Bon, il est un peu plus épais ce papier, mais bon, ça gondole quand même, hein, si vraiment on fait des gros pâtés. On va essayer de centrer ça correctement. Voilà, là j'utilise la colle comme ça, c'est pareil, parce que ça permet de repositionner. Si on voit que notre carte, elle est mal placée, que c'est pas tout à fait droit ou quoi, on peut positionner vraiment comme on a envie. Donc voilà, et après je vais chercher des petites images ou des petites choses. Alors j'avais ce livre qui avait plein d'images vintage. Je sais pas, il faut que je réfléchisse à ce que je vais mettre. Un petit message ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est plutôt sur le voyage, quoi, ce truc-là, par contre. On va pas trop voyager en ce moment. Parce qu'à l'arrière, voilà, il y a des petites cartes comme ça aussi. Enfin, ça fait un comme des cartes postales. Et je voulais essayer de mettre ça, mais ça va peut-être faire un peu gros, je sais pas. Alors, je vais tout simplement déjà découper mes cartes. Parce que de toute façon, je comptais les utiliser pour ce projet de cartes-là. C'est pour ça que j'avais sorti. Donc, je vais toutes les. Enfin, je vais en prendre une. Je les couperai tout à l'heure. En laissant un bord blanc. Ah ouais, elles sont pas toutes de la même taille. Donc on va faire ça. Alors, mon massicot va toujours aussi bien. Vous voyez que j'ai les lames qui se sauvent. C'est casse-pied. Donc voilà, ça fait comme des petites cartes postales à l'avant et à l'arrière. Je trouvais ça sympa. Donc moi, je voulais plutôt mettre le côté où il y avait le tamponnage, voilà, post-carte, tout ça. Je trouvais ça plus chouette. Donc je vais en choisir une, je sais pas. J'aimerais bien celle-ci, peut-être. Allez, on va prendre celle-ci. Alors là, je vais la couper. Au mieux. Voilà, ça je vais le mettre vraiment au centre de ma carte, je le voulais. Qu'est-ce que je vais. Alors, on va le mettre comme ça. Là, je vais ajouter un ruban, une dentelle ou quelque chose. Je ne sais pas. J'ai de la dentelle là un peu. On va peut-être ajouter une dentelle sur le dessous, je sais pas. Hop. Ah, je la fais en direct comme ça avec vous. J'ai pas trop réfléchi. J'ai sorti quelques petites choses et c'est tout. Et du coup, la fleur, je pense qu'on pourrait la mettre là. Ça ferait joli. Il va falloir que je trouve un petit message à mettre. Alors, ici, j'avais c'est le printemps, bonne année. La vie est belle, je sais pas ce que j'ai. Je suis désolée pour le bruit. Je vais sortir ça. Alors ça, c'est le genre de tamponnage que je fais à l'avance, voilà, que je coupe ou non, voilà, avec des petits messages en français. Enfin, voilà, en français, je trouve que c'est mieux quand même. Bon, on va prendre un petit comme ça. Alors là, c'est marqué La vie est belle. Ça, c'est un papier qui est. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais il est embossé à froid là, avec les glaçures d'embossage. Voilà, c'est les chutes de papier embossé que j'ai récupérées de choses que je peux. Enfin, quand je travaille du papier embossé, si j'ai des chutes, je les garde et je fais des tamponnages dessus. Je trouve que c'est sympa, ça change. Donc voilà. Donc, ben, on va rester comme ça. Donc là, je vais coller les éléments. Donc, j'ai pris ben, une petite image de carte, ma petite rosace. Et le petit sentiment, la vie est belle. Et puis, on va coller ça avec la petite dentelle à l'arrière. Enfin, la grosse dentelle à l'arrière, comme ça. Je trouve que ça fait chouette. Donc là, je vais juste mettre mon pistolet à colle à chauffer un petit peu pour coller la dentelle. Je vais couper la dentelle et je vous reprends dans 5 minutes quand le pistolet est chaud pour faire l'assemblage. A tout de suite. Alors, je vous reprends 2 minutes pendant que mon pistolet colle. J'ai regardé. En fait, ma bande, elle fait 5 cm. Donc, je vais couper des carrés de 5 par 5. Pour faire une autre carte, vous verrez, hop, je vais utiliser tout de suite ma chute, comme ça sera bien. 5 et là 5.
Voilà, 3 carrés de 5 par 5. Ensuite, je vais utiliser une autre chute sur laquelle j'ai déjà fait des ronds ou voilà, des découpes pour un autre projet. Donc là, là par contre, ça ne va pas être très pratique. On va couper là au milieu. Voilà, donc là, j'ai déjà fait voilà, mon rond pour ma grosse lollipop et tout. Enfin, voilà, moi, j'utilise tout. Enfin, quand je peux, j'utilise toutes mes chutes. Par contre, il va falloir qu'on se mette à un endroit où c'est quand même assez droit et qu'on n'a pas coupé au milieu. Alors là, je vais faire 6 par 6. Pareil, 3 carrés si je peux, de 6 par 6. Normalement, ça devrait aller. Ah, alors est-ce que ça marche ou pas? Non, ça marche pas. Eh ben c'est pas grave, on va reprendre là-dedans. 6 cm. De toute façon, c'est des chutes. Hein. C'est les chutes des fins de bloc 30-30 qu'il me reste. Il me reste encore quelques feuilles. Dans les. Enfin, dans le vintage, il me reste encore un peu de matériel. Parce que honnêtement, c'est pas ce que je fais le plus et pourtant j'aime beaucoup. Donc voilà, alors là, c'est pour faire la deuxième carte. Donc on va assembler. On va coller les carrés comme ça, les uns sur les autres. Et ensuite, je pensais les disposer le long de la carte, comme ceci. Alors, je sais pas si j'y mets un fond quand même ou pas. Je pense que je vais quand même y mettre un fond, parce que c'est marron. Bon, bah, de toute façon, on va peut-être pas en mettre trois, alors. Ouais, elles sont pas assez grandes, mes cartes. Bah, là, on en mettra deux. Et après, je verrai ce que je ferai du troisième. C'est pas grave. Mais je pense que je vais mettre un papier de fond. Alors, j'y suis là. On y pourrait faire. On continue, j'utilise mes restes. Enfin, mes chutes. On va essayer de continuer d'utiliser que des chutes. Ça sera bien. Donc, celui-là. Il faut que je coupe encore un peu plus. Hein. Comme ceci. Alors, attendez, hop. On va glisser ça en dessous. Voilà, ça donnera ça. Avec une bande assez large de chaque côté du haut et du bas. Ça fait joli. Moi, j'aime bien en tout cas. Les deux petits carrés qu'on vient de couper. Et donc là, c'est pareil. On va y mettre un petit message. Alors franchement, dans les messages, j'ai c'est le printemps où la vie est belle. Meilleurs vœux, bonne année. C'est pas très, c'est pas trop d'actualité. Allez, on va mettre c'est le printemps. J'ai quoi d'autre là-dedans? Joyeuse Pâques non plus. Ah ouais, puis ceux-là, je les avais coupés, mais sur des papiers déjà de couleur. Donc, on va juste recouper celui-là. Alors. Que se passe-t-il? Voilà, un petit c'est le printemps. Ce sera chouette. Donc, ici. Et peut-être que celui-là, par contre, on va le mater sur un papier. Donc, là, c'est pas compliqué. Je vais couper en laissant, je sais pas, 5 mm ou 2 mm autour, quoi. À peu près. Je vais vous dire. Ouais, 5 mm, c'est bien. Allez. Donc vous voyez, quand je vous dis les chutes, je les garde pour les réutiliser. Ben voilà, on peut faire ce genre de petites choses. Juste un petit matage comme ça, sous un sentiment. Voilà, ça peut être sympa aussi, quoi. Donc voilà, là je pense que le pistolet à colle, il a chauffé. On va reprendre la première carte. On va pouvoir y coller notre dentelle. Donc là, ben, je vais juste faire un trait tout le long comme ça. Un trait quand même assez fin, parce que ben ça va se voir sous la dentelle sinon. Voilà, on colle bien la dentelle. Ensuite, on avait dit qu'on allait poser celui-là. Alors, celui-là. Ouais, mon massicot, il a un peu déchiré les bords, c'est pas grave. On va juste, hop, enlever un peu les pluches. On avait dit comme ceci. Par contre, là, je vais peut-être coller en relief avec du scotch.
3D. Allez, on va mettre un comme ça. Un comme ceci. On peut en mettre un troisième au milieu. Et deux petits bouts de chaque côté. Hop. Et hop. Par contre, là, avec la mousse 3D, c'est important de bien en mettre partout. Hein. Parce que sinon, ça devient... Enfin, ça devient au fur et à mesure du temps, ça s'affaisse un peu, voilà. Je cherche mes mots. Hop là. Donc la carte, on a dit comme ceci. Ensuite, le petit sentiment, pareil, on va le monter sur la mousse. Voilà, j'ai coupé un tout petit peu trop long, je recoupe tout de suite avant de coller. On a dit par là dans le coin. Alors celui-là, je vais le mettre droit parce que j'ai déjà mis ça de travers. Et là, je vais juste venir coller cette petite rosace. Alors là, je vais mettre celle-ci, pas celle qui a le diamant blanc, puisque là, il y a du jaune. Et en fait, comme ma carte est jaune, je trouve que ça rappelait le jaune de la carte. Donc là, bah, je vais mettre un petit peu de colle à l'arrière sur mon rond. Mais bon, la deuxième, je m'en servirai aussi. Hein. Soit pour une autre carte, soit voilà, je m'en servirai. Et donc voilà une petite carte vintage ben, rapide à faire et ben, assez jolie, enfin voilà, avec un joli résultat. Et ensuite, eh ben, on va faire aussi la deuxième ensemble. Donc voilà. Comme ça, on en aura fait deux aujourd'hui. Et je vais essayer d'en faire toute une série. Je ne sais pas, je vous reprendrai peut-être pour la suite. Donc là, ben, on va venir déjà coller le fond à l'arrière. Ah, je voulais y mettre un petit nœud à l'autre. Bon. On viendra y mettre un petit nœud après. Ouais, j'ai pris cette colle, j'espère que ça ne fera pas de traces. Voilà, ici je voulais mettre un petit nœud, alors j'avais préparé deux petits nœuds, j'en ai fait avec les restes de fil de mon macramé et j'en ai fait d'autres avec de la twin, enfin j'en ai fait tout plein. Ouais, je voulais mettre un petit nœud, où est-ce que je le mets mon petit nœud? Ouais, je vais le mettre là, à côté du sentiment. Donc là je vais venir mettre un tout petit point de colle au pistolet à chaud. Hop là. Vraiment très fin. Et on va mettre le petit nœud juste ici, sur l'étiquette. Voilà le final, hop. Après, je m'interdis pas de rajouter quelques demi-perles ou quoi. Je verrai. Je vais déjà... Enfin, je vais essayer d'en faire le maximum et après, on verra. Donc là, bah, je vais coller mon étiquette sur son papier de matage. Mes deux carrés sur les fonds. Hop. En essayant de bien tout aligner. Le petit sentiment, pareil, on va le coller. Après, si vous voulez, vous pouvez ancrer les bords, voilà. Moi, j'ai pas trop ancré les bords. Mais on peut ancrer les bords, hein, ça donne aussi du relief. Après, quand on fait des séries de cartes, des fois, voilà, on n'a pas le temps de faire tout ce qui, enfin, tout ce qu'il faudrait. Non, peut-être pas, mais... Ouais, je vais coller avec de la mousse pour donner un peu de relief. Allez, hop, c'est parti. Deux et trois. Ouais, c'est bon, ça dépasse pas de l'autre côté. Pareil pour celui-là.
Voilà. Ensuite, on va venir recoller nos petits carrés en quinconce là. Hop. Alors, celui-là, j'ai un petit bout de mousse qui dépasse. On va couper. Voilà, sans couper le cardstock, c'est mieux. Alors, comme ceci. En voilà d'un. Comme ça. Je regarde un peu le sens de mes fleurs. Voilà, hop. Ensuite, je voulais mettre... Alors, je pense qu'on va mettre dans celui-là, on va lui mettre le message. Et dans le deuxième, voilà, on va pouvoir positionner la fleur. Et après, je vais vous montrer tout ça. Donc là, je vais mettre le message et le petit nœud. Et dans le deuxième carré, je vais positionner la fleur. Enfin, la fleur, c'est pas une fleur, c'est ouais, une rosace ou je sais pas. Celui-là, ouais, je vais le coller aussi à la colle chaude. Allez, hop. Juste là, sur le bas. J'aime beaucoup aussi jouer un peu avec les formes géométriques, voilà. Et là, je vais faire le petit nœud, je vais le coller au centre du carré. Donc, on va essayer de mettre pas beaucoup de colle. En plus, ce pistolet, c'est là. Enfin, c'est pas le pistolet, c'est la colle. Ça fait des fils. Je vais enlever mes fils au fur et à mesure parce que quand même. Et donc, voilà pour notre deuxième carte. Comme ceci. Donc voilà. Bah, je sais pas, en pas très longtemps, je sais pas en combien de temps, en 15-20 minutes, on a deux jolies cartes. Voilà. Un peu vintage, voilà, avec des couleurs quand même de printemps. Avec un peu de jaune, un peu de couleur. Enfin, moi, j'aime bien. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. C'est ni shabby ni vintage, mais enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Au revoir.